Entre-temps, les groupes parlementaires VRD et ADP Maliba Sadi saisissent la Cour constitutionnelle afin de statuer sur la constitutionnalité du texte du projet de révision de la Constitution. Une troisième marche pacifique par la plateforme Ante Abana à Bamako a eu lieu le 17 juin 2017 à la place de la Liberté. Elle mobilisera près de 500 000 personnes. La quatrième marche organisée le 15 juillet 2017 à Bamako, dans les capitales régionales et à l'étranger, mobilise près de 2 millions de personnes, du jamais vu au Mali depuis mars 1991. Vous demandez le retrait pur et simple, yes, sans réserve, du projet de révision constitutionnelle. Entre-temps, la Cour constitutionnelle prononce la constitutionnalité de la loi tout en demandant des corrections sur le texte. Suite à cet arrêt de la Cour constitutionnelle, les députés des groupes parlementaires d'opposition Vigilance républicaine et démocratique, VRD, et ADP Maliba Sadi anime une conférence de presse le 7 juillet 2017 à la Maison de la Presse de Bamako. Les honorables députés Modi Ndiaye, URD, Omar Maliko Sadi et Amadou Thiam, ADP Maliba, donnent des éclaircissements sur cette décision de la Cour constitutionnelle qui renvoie le texte de la révision en relecture, donnant de fait ainsi raison à l'opposition quant à son anti-constitutionnalité. Je dirais que cet arrêt est une victoire éclatante pour l'opposition parlementaire. Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons demandé à la Cour? Nous avons demandé à la Cour de déclarer que la loi qui a été publiée dans le journal officiel est anticonstitutionnelle. Point barre. Qu'est-ce que la Cour devait dire? Elle est constitutionnelle ou elle est anticonstitutionnelle? Par ailleurs, les juges de la Cour constitutionnelle, particulièrement inspirés ce jour-là, qualifient l'insécurité chronique et récurrente qui prévaut dans notre pays de résiduelle et estiment que l'intégrité du territoire malien n'est pas atteinte, ce qui ne fait qu'augmenter les tensions sociales déjà vives. Le référendum prévu le 9 juillet 2017 est reporté à une date ultérieure par le gouvernement en Conseil des ministres. Les partisans du oui se trouvent sur la défensive et multiplient sur fond d'achat de conscience les meetings d'information dans la capitale et à l'intérieur du pays pour rallier désespérément les populations à leur cause. La majorité présidentielle se fissure. Beaucoup de ses membres, notamment le SNID, Yéléma, l'UDD et une partie de l'ADEMA, appellent au retrait du texte.